pas recommandé de combler les moments d'attente et d'ennui des enfants par des appareils électroniques. La patience, c'est comme un muscle. On doit l'entraîner. C'est pas facile, c'est souvent désagréable, autant pour le parent que pour l'enfant, mais c'est nécessaire. Pour aider votre enfant à patienter, vous pourriez apporter à l'épicerie une liste avec des dessins pour qu'il participe. En voiture, vous pourriez apporter des livres ou des crayons à colorier. Bref, impliquer l'enfant est une stratégie gagnante. Les recommandations en matière d'exposition aux écrans visent à assurer le bon développement de l'enfant et à le protéger des impacts indésirables. De la même façon qu'on ne permettrait pas à un enfant de 6 ans de se coucher à la même heure que son grand frère de 14 ans, on ne peut pas lui permettre de s'exposer au même contenu ni à la même durée. Prenez le temps d'expliquer cette différence à vos enfants et surtout, soyez constant et cohérent dans l'application des règles numériques à la maison. Selon les dernières recommandations canadiennes, les enfants de 2 à 5 ans devraient s'exposer au maximum à une heure d'écran par jour et de préférence en compagnie d'une autre personne. Évidemment, cette durée est une option et non un besoin pour votre enfant. Il est préférable de recouper ce temps en plusieurs petites périodes, ce qui aura pour avantage de limiter les stimulations qui surchargent le système nerveux, de préserver la santé des yeux et de favoriser le mouvement de votre enfant.